Laetitia Hallyday se serait vengée froidement de David Hallyday avec qui elle était en conflit ouvert. Et sa manière de lui rendre la monnaie de sa pièce est assez surprenante. Le magazine France Dimanche consacre un dossier au clan Hallyday, confirmant que Johnny Hallyday serait bien plus rentable. Mort que vivant, raison pour laquelle ses héritiers ne lâchent pas le morceau. Pas question de céder du terrain à la partie adverse. Point et au détour de ce dossier chiffré, on apprend que ces dernières années, Laetitia Hallyday humiliait son beau-fils en s'attaquant frontalement à ses intérêts. Durant la préparation des chauves de Johnny Hallyday, elle faisait en sorte que son mari ne reprenne pas les succès 100% et vive pour le meilleur. Et la particularité de ces énormes succès est d'avoir été écrit par David Hallyday. Et la raison est assez trouble puisqu'elle ne voulait pas renflouer les comptes en banque d'un rival, en l'occurrence David, dont elle était jalouse. Ce propos est conforté par le journaliste Mathieu Alterman, l'auteur du livre Les larmes de Johnny. Dans ce livre, il a par ailleurs expliqué que le rocker scénarisait sa vie entière afin de cacher sa véritable identité, son inguérissable mal-être.